C'est pour le fanatique du coupé-décalé. Je vais commencer par mettre le tempo d'abord à 130. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une pattern kick. Je dépose ça ici. Je renomme ce track. Kick. Voilà. Maintenant, je vais aller dans mon pack Afrotrap Pro. Et je vais prendre un pied. Voici le pack 808. Voilà. Va prendre ce pied-ci, Open New Channel. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit sur le clic, Fill Each. Voilà. Maintenant, on va essayer de prendre quelques percussions. Alors là, je vais mettre quelques percussions. Je vais chercher. Voilà, dans ces dossiers-ci, ça c'est mon dossier personnel. Voilà, je vais prendre ceci. Crée la pattern percussion. Nouveau track. Percussion. Voilà. Piano roll. On va prendre celui-ci. Voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de mettre une autre percussion. On va essayer de savoir. Voilà, là je vais ouvrir le plugin Purity. Voilà. Je prends ceci. Je vais à preset, je vais à drum, ensuite je sélectionne ceci. Je vais essayer de taper quelques autres percussions. Thank you.
peut essayer de s'amuser à prolonger un peu ça comme ça. Ou à défaut, on peut se dire, voilà, on prolonge ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ça. Je vais essayer de dupliquer ça. Voilà. Dupliquer. Voilà, maintenant je vais essayer d'ajouter quelques batteries. Je vais ouvrir le plugin hypersonique et je vais prendre. Peux ajouter quelques batteries. De batterie, voilà. Voilà. Voilà, à ça je vais ajouter un. Ok, on va essayer d'ajouter une guitare basse d'abord, ou on peut s'amuser un peu avec un shamisen. Voilà. On va prendre ceci, hypersonic 2. On va prendre shamisen. Tu vas le prendre ici dans ethnique. Voilà. Je m'amuse tout simplement. Ça, c'est une petite vidéo pour s'amuser. Voilà. On dit shamisen. Voilà. Shamisen. Voilà. Si j'ai un peu.
peux allonger un peu ça comme ça. Maintenant, on peut s'amuser à descendre un peu les notes en G. Voilà, on peut jouer quelques accords ici. Dupliquer ça, mais je vais travailler un peu la fin. Voilà. Voilà, tu vois qu'en quelques minutes, on a déjà une base, on peut s'amuser. Voilà. On peut mettre un peu les quelques chips, on peut prendre quelques chips de basse de FL Studio. Je vais dans FX. Prendre celui-ci, voilà. Je viens, je m'amuse seulement. Je dépose ça là. Voilà. Soupe. Voilà. Voilà, tu vois qu'à quelques secondes, on a déjà une bonne basse. Maintenant, on peut faire petite roulade. Je viens là, plus, je dis tout simplement roulade. Voilà. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais chercher. Hypersonique encore, voilà.
prends celui-ci. Voilà, je vais prendre kick plus snare menu. Voilà, tu regardes tout simplement ce que je fais. Voilà, et maintenant j'ai pu aussi venir là à Purity. On peut ajouter une basse assez simplement. Je sélectionne Purity. Voilà, preset. Ensuite, je vais prendre une basse. Je prends cette basse-ci. Voilà. Là, je veux faire ceci. Voilà, je peux diviser ça comme ça. Ensuite, je ramène ça. Voilà, tu peux aussi ajouter un crash ici. Voilà. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. Je trouve une autre formation à ce dans la description. On reste en contact. Ciao, ciao.